Salut à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour le vidéo test de Tomb Raider, un jeu de nouvelle génération, sorti en 2012-2013, enfin 2013 je pense plutôt, et nous sommes partis. Il y a un mode multijoueur, là on est parti. Vous allez voir, c'est un jeu, c'est un TPS orienté beaucoup plus action que les anciens Tomb Raider. Et il n'y a presque pas de temps de chargement dans ce Tomb Raider, il n'y a que le chargement quand on charge une partie, ou le chargement quand on quitte le jeu. Quand on retourne au menu principal. Donc sinon, on peut... Ah mince. Pourquoi ça me met ici, c'était pas prévu. Ah, parce qu'en fait c'est la deuxième fois que je refais la vidéo. Parce que je l'ai supprimé là comme un con sans faire exprès. Et donc bah, ça me fait bien chier quand même. Mais bon c'est pas grave. Donc là c'est pas grave, cette sauvegarde c'est pas grave, elle est bien quand même. Donc là vous voyez c'était un gunfight. Il y en a énormément dans le jeu. Ah merde. Ah putain. Ah et aussi c'est comme à la Call of Duty, hein, on perd de la vie de la même manière. En ce sens celui-là il veut pas crever. Vous voyez, il y a des gens immortels des fois comme ça. Avec crève. On se les effets à la va-vite. Bon, ici je suis presque mort, j'ai un peu joué comme un kekou. Donc vous voyez, graphiquement le jeu est vraiment beau. Ça y a rien à redire. C'est un jeu incroyable. Enfin, graphiquement. Mais sinon après, au niveau de la narration aussi, c'est... Bon, c'est classique, c'est bien. En fait, on est des naufragés quoi, en gros. On dirige toujours la grande Lara Croft, la grande archéologue. Ah, là, c'est le chef du navire. Enfin, celui qui nous... qui conduisait le navire, quoi. Là, on était avant et on a fait naufrage après, donc... on s'est planté sur cette île. Et on était... Bah, elle était avec des collègues aussi, hein. La petite Lara. Car là, c'est sa première expédition. La première fois qu'elle fait une expédition. Et parce que là, ce Tomb Raider normalement parle du tout début des Tomb Raider, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on voit que Lara Croft semble beaucoup plus jeune. Et qu'elle a, bah, genre, je sais pas moi, dans les 20 ans. Voilà, là on peut faire des attaques au cac avec le bouton Y. On ramasse des munitions avec le bouton X. Toujours le bouton pour ramasser des trucs. Je fais une pleine tête. Quand la cible devient triangulaire, ça veut dire que je suis au moment où je tire, bah, je peux faire une pleine tête. Voilà. Par contre, lui, il est chiant celui-là. Vous voyez que l'IA aussi est pas mal. Ils se cachent et tout. Hein. Ils sont prudents. Bon, attention. Les mecs qui ont une mitrailleuse, c'est les pires ceux-là. Parce que même si parfois ils visent comme des merdes, après, bah,
ils peuvent nous avoir assez facilement s'ils nous donnent une rafale en pleine gueule. Rafale de 40 balles, là, ça fait mal. Il vaut mieux que je les esquive, ces andouilles. Oui, on combat contre des espèces de SDF, hein. Oui. C'est le nouveau Lara Croft, c'est le nouveau Tomb Raider. Ah, je me suis fait défoncer. Ah, voilà, c'est... Voilà le bon exemple. L'exemple typique. On se fait toujours avoir comme ça, toujours dans ce jeu-là, par un mec qui a une mitrailleuse, toujours. Ils sont complètement cheatés. Ah, et... Une mitrailleuse, normalement, ça fait pas si mal que ça. Oh, bon. Ouais. J'ai déjà plus de balles. On a aussi des flèches de feu. Bon, là, je pense que ça explose pas, voilà. On a des flèches de feu. Pour enflammer nos ennemis, pour les faire souffrir jusqu'au dernier. Mais bon, vu que la plupart du temps il y a des bugs là, enfin le feu il ne se propage pas des fois, bizarre. Eh bien, je préfère utiliser les flèches normales, flèches normaux. Je récupère des munitions pour mon fusil à pompe car oui, on a 4 armes, on a l'arc, la mitrailleuse. Enfin, fusil d'assaut, pistolet, hein, un 9 mm je pense. Et je sais plus si j'ai dit fusil à pompe, enfin voilà. Vous savez tout. Il s'est fait prendre sa bombe. Je pense qu'il va bientôt crever celui-là. Voilà, aussi la gestion des dégâts est mal gérée, je trouve. Des fois on leur tire vraiment en pleine tête et... Et on dirait qu'ils ont rien eu, c'est assez bizarre. Et des fois on leur tire à la jambe et ils sont morts du premier coup, donc voilà. Je ne comprends pas cette gestion de dégâts. Gestion de dégâts pas très bien gérée. Alors vous avez vu un magnifique bug de la mitrailleuse. Ah oui, je déteste ces ennemis là, avec leur mitrailleuse, le fusil d'assaut. Vous voyez quand même que... On fait souvent les mêmes combos hein, au cac. Il n'y a que 3 combos différents. Après, il ne veut pas crever celui-là. Il faut faire vraiment gaffe à ce qu'on des mitrailleuses. Il faudrait qu'il sorte de sa tanière lui. Ah merde. C'est des naufragés comme nous hein, ceux-là aussi. Mais qui sont ici depuis bien plus longtemps. Car en fait, l'histoire de cette île, c'est en gros, bah... Avant, il y avait des Chinois hein, qui vivaient ici. Il y avait un grand temple chinois, machin. Et il y a la reine solaire, qui... Voilà, une petite cutscene. Alors, ça va un peu vous spoiler, parce que... C'est quand notre pote, là, il va mourir. Celui qui dirige le navire. Grim, je crois qu'il s'appelle. Pardon. Bon, là, j'ai la version... Enfin, il parle en anglais, là, mais c'est sous-titré français. Les sous-titres sont assez étranges. Si vous avez bien remarqué. C'est entouré en noir. C'est pour ceux qui ne voient pas assez bien, je pense. Vous voyez la distance d'affichage du jeu quand même assez impressionnante. On voit les montagnes au loin là, c'est pas des simples JPEG en 2D la plupart du temps. C'est vraiment des montagnes en 3D et tout, hein, modélisées et tout ça. Comme là par exemple, hein, c'est vraiment super bien fait. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Donc je prends ça. Et on verra souvent des temples chinois aussi hein, plus tard, voilà comme ça. À un moment, il y a un niveau ouais, qui est même très impressionnant là où il y a plusieurs temples chinois, habitations chinoises, bah, asiatiques, eh bien qui sont enflammées. C'est super bien fait. En plus, les flammes elles sont super bien faites dans le jeu. Donc, voilà, beaucoup de points forts quand même pour ce Tomb Raider. Même si il n'est pas si original que ça, il n'est pas très original parce que ça reprend vraiment les principes d'un Uncharted. Hein. Vraiment action, 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 non-stop. Voilà, j'ai failli tomber.
Beaucoup de trucs scriptés hein, aussi. Ça fait vraiment penser à Gear of War, enfin. Call of Duty, enfin voilà. J'en passe des meilleurs. Et puis là, on a notre pote le sniper. Encore un collègue de Lara. Qui est. C'est un pote du père de Lara. On connaît très bien le père de Lara. Qui est mort maintenant. Qui était aussi archéologue. Bon, je vais passer à la cinématique. Mince. On peut pas passer. Parce qu'il va nous couvrir après, mais bon, là, il n'y a pas trop le temps. Aussi, le jeu, je le tourne. Bah, je vais vous montrer après. Là, je suis en train de le tourner en 40 fps, hein, 40 images par seconde. Ça peut aller. Mais bon, je suis pas graphisme maximum et tout. Hein, il est encore plus beau que ça, hein, en réalité. Et au niveau de la résolution, je suis en 1280x720. Donc, je suis pas en full HD. Et bon, ça fera quand même quelque chose de bien. Niveau qualité. Mais franchement, ce jeu est surtout fait pour tourner à fond hein, en 1920x1080. Si vous avez un PC de gros psychopathe. Et sinon, si vous avez un PC comme moi, qui est juste correct. Eh bien, bah, vous pouvez le faire tourner bah, comme moi à peu près. Tu as accompli éliminer vos ennemis en toute discrétion pour obtenir une récompense plus importante. Ça, c'est les compétences. On gagne de l'XP en tuant des ennemis, tout simplement. Et on peut les fouiller pour gagner aussi des matériaux pour pouvoir, vous allez voir, augmenter, upgrader nos armes. On peut upgrader notre fusil à pompe. Ouais, je me suis arrêté à la reine solaire, là, manchon du canon, j'ai même pas lu ça. Enfin, je me suis arrêté, augmente les dégâts, quoi. Je me suis arrêté à la reine solaire, qui, en fait, maintenant, il y a son fantôme qui repose ici, enfin, voilà. Il y a souvent des merdes qui se passent sur cette île, et à chaque fois qu'il y a des gens qui arrivent avec un navire, à chaque fois, il se passe une tempête, et à ce qui paraît, c'est provoqué par la reine solaire. L'âme de la reine solaire qui n'est pas montée dans les cieux. Voilà. Je crois que bientôt il va y avoir une phase pas mal. Est-ce que je peux sauter de là? Ça m'étonnerait. Ah bah si. Ça me semblait loin, mais bon, t'es obligé d'y aller là. That bridge is swarming with guards. Great. Any ideas? Ouais, je peux pas trop avancer vite, hein. C'est scripté encore une fois. C'est le problème dans les jeux actuels. Ouais. Et aussi la durée de vie, souvent les jeux actuels, c'est souvent faible. Quoique ce Lara Croft, ce Tomb Raider, est quand même assez long. Donc bon, c'est un jeu qui dure, on finit à moitié en 8 heures à peu près, ou 10 heures. Et juste quand on fait l'histoire principale, sinon après, en récupérant tous les trucs, parce qu'il y a pas mal de quêtes annexes, bah on met à peu près 15 heures. Enfin, j'exagère peut-être un peu là, mais. Voilà quoi, à peu près 13 heures, c'est pas mal. Mais bon, je vois pas trop l'utilité de faire les quêtes annexes parce que c'est juste pour récupérer des objets et bon, pas trop utile. Peut-être pour débloquer quelques trucs dans les images et tout ça, mais bon. Enfin, non, même pas, je pense, donc bon, je sais pas à quoi ça sert. Bon, là, c'est complètement scripté, encore une fois. C'est l'autre qui nous a aidé avec son fusil sniper. C'est vraiment un professionnel du snipe. Hein. Et un professionnel du script aussi. D'ailleurs. Il nous dit de pas trop avancer. Il n'aime pas du tout avancer. Pouf, il va tuer un mec. Voilà, ça fait longtemps qu'ils sont là, eux, là, les naufragés, là. On le voit ici. Et... Ah, d'accord, pourquoi je suis mort? Bon d'accord, ça fait longtemps qu'ils sont sur cette île, donc au début ils essayaient bah, comme nous de fuir, parce qu'après Lara elle va plusieurs fois, à plusieurs reprises essayer de fuir par avion ou par hélicoptère je crois plutôt,
Ou avec un bateau, là, ils sont en train de construire un bateau d'ailleurs, ses collègues là. Mais à chaque fois, bah, ils vont pas réussir. Parce qu'il y a un orage, comme par hasard, qui va arriver. Et c'est provoqué peut-être par l'arène solaire. Attention. Ah voilà, il a été tué. Le seul truc qui est mal fait, c'est les gerbes de sang. Je trouve ça moche. Mais bon, à part ça... Ouais, il y a beaucoup de QTE aussi à faire. Enfin, quoique, en avançant dans l'aventure, il y en a de moins en moins. Donc c'est bien. Là, par exemple, petit QTE. Ouais, c'est une phase assez impressionnante du jeu. Vite, il faut se grouiller, il faut se grouiller. On peut croire que c'est chaud comme ça, mais... c'est pas très dur, hein, ce script. D'accord. Ça commence à me saouler, là. J'ai eu un espèce de lag d'un coup, là. Et j'ai sauté un peu trop tôt. C'est magnifique. Je sens qu'il va y avoir pas mal de fails. Mais bon, heureusement, il y a beaucoup de checkpoints, hein, comme vous pouvez le voir. Et le jeu est méga... rythmé, c'est incroyable. Beaucoup de choses qui se passent à l'écran. Il y a très souvent des phases comme ça, là, de poursuite à moitié, où on doit courir comme un fou, avec plein de structures qui s'effondrent. Ça, je pense que ça fait office de chargement quand on est comme ça dans des zones où on ne fait rien. Heureusement, il y en a très peu. Ça, c'est un peu lourd, ça. Vous allez voir, on va juste avancer dans la flotte. C'est passionnant, n'est-il pas? Vous voyez le feu qui est super bien fait, ça c'est sûr, et les mouvements de Lara aussi. Je sais plus si je vous l'avais dit parce que j'avais fait une vidéo juste avant. Donc voilà quoi. Eh bien, les mouvements de Lara sont magnifiques. Elle est super bien modélisée déjà. Puis en plus, là, ses gestes sont fluides et tout, c'est super bien fait. Quand on le fait tourner bien sûr en 60 fps, pas comme moi. Et ah, aussi ce jeu existe aussi sur console HD, Xbox 360 et PS3. Et puis moi j'ai la version PC, voilà. Bon, ils font souvent des rituels aussi comme ça. Le méchant, il me fait vraiment penser à... Comment il s'appelle? Bah, le méchant dans Resident Evil 4. Sadler, je crois qu'il s'appelle. Lord Sadler. Il fait vraiment penser... Oulala, par contre là, chute de FPS à fond. Ah, c'est parce qu'il y a beaucoup de... Beaucoup de personnages à l'écran. Voilà, Lord Sadler 2.0. Vous l'avez vu. Il ressemble vraiment à Lord Sadler, c'est un truc de fou. Peut-être qu'ils ont copié sur... sur Resident Evil 4, hein, j'en sais rien. Et là, en fait, ils croient que c'est elle l'élu. Et oui, c'est véritablement elle l'élu, hein, la copine de Lara. Qui est l'élu, en fait, c'est... En fait, je vous ai pas trop expliqué... en fait, ces gars-là, c'est des naufragés, encore une fois, qui sont... bah, ça fait super longtemps qu'ils sont ici, et donc, ça fait... Donc au début, ils faisaient comme Lara et ses potes, ils essayaient de s'enfuir de l'île, mais à chaque fois, la reine solaire, l'âme de la reine solaire, les en empêchait, et donc maintenant, ils essayent de faire un espèce de rituel, là, en donnant l'élu, qui sera la prochaine reine. Ils ont fait plusieurs essais et à chaque fois c'était nul. Donc là, bah, avec elle, par contre, ça va être bon. Mais heureusement, Lara va la sauver. Allez, ça se termine toujours bien, hein, de toute façon, les histoires comme ça. Ça, non!
bah, niveau de. Bah, je trouve qu'en tout cas, les voix anglaises bah, sont de bonne qualité, de bonne facture. On sent vraiment. Comment, les émotions de Lara. Et puis on ressent vraiment aussi la stupidité de Lord Sadler. Et en plus il a presque la même voix que Lord Sadler, c'est ça qui est, c'est un truc de fou. En tout cas dans la version anglaise. Ce qui est incroyable c'est que Resident Evil 4 est en anglais aussi, donc voilà. C'est peut-être le même doubleur. Hein. Non je pense pas mais bon. Ah, là, une phase assez gore. On va être dans les... Bah, une espèce de grotte, ouais. Là où il y a plein de morts. Avec du sang partout. Mon dieu, c'est un véritable cauchemar. Ah, vous voyez. Un peu de physique. Et puis je vais vous faire une autre sauvegarde après. Et même je peux le faire dès maintenant. Parce qu'on n'aurait plus grand chose à montrer maintenant ici. Ça va être beaucoup d'infiltration ici, donc bon, je vais vous faire retour au menu principal. Et puis après on va se quitter, je vais pas faire une vidéo trop longue. Pour vous donner une idée, j'avais fait une vidéo de 40 minutes avant, mais. Ça m'a un peu refroidi là. Purée, pourquoi j'ai effacé? Enfin, c'est pas grave. Donc voilà, au niveau de l'histoire, c'est quand même pas mal. Et voilà, je me suis arrêté là. Au niveau de l'histoire, c'est quand même pas mal. Même si c'est pas non plus exceptionnel. Bon, c'est. C'est quand même du Lara tout craché, hein. C'est. Ce sont vraiment dans Tomb Raider quand même. Bon, il y a quand même l'ambiance un peu moins. Ça fait beaucoup plus hollywoodien et puis c'est beaucoup plus mature. Hein, parce que dans les anciens Lara, ça faisait. Des fois, il y avait des scènes assez ridicules. Bon, des phrases plutôt assez ridicules, ça faisait un peu nanar. Bon, c'est souvent les jeux de l'époque, ça. Et puis d'ailleurs, je vais vous faire. Purée. Je vais vous faire les Tomb Raider les premiers. Bon, j'ai pas le tout premier. Mais je vais vous faire au moins Tomb Raider le deuxième, le 3, le 4, le 5, jusqu'au 6. Sur PC. Je les ai tous sur PC. Et le problème, c'est que bah, faudrait que je trouve un moyen de mieux le faire tourner sur mon nouveau PC. Parce que sur mon ancien PC, tous les Tomb Raider, ils tournaient parfaitement. Alors que maintenant, vu que j'ai un nouveau lecteur, là, puisque c'est un nouveau PC, bien, c'est pas pratique. Donc voilà, je vous conseille, quand vous voyez un jeu sur Steam qui est très vieux, je sais pas, par exemple, Half-Life 1, tiens, bon, je vais peut-être me télécharger un jour. Ben, Half-Life 1, vaut mieux le télécharger et pas l'avoir en disque. Parce que sinon, si vous avez un lecteur assez récent, si vous, vu que vous avez un PC assez récent, eh bien, il risque d'avoir des problèmes hein, avec le lecteur de disque. Et donc le jeu risque d'avoir des bugs, voilà. Donc c'est mieux de les avoir en téléchargement. Ah, et là je sens la manette qui tremble car faut regarder. Voilà, en dessous de la jupe, il y a marqué un truc. Une inscription Mili. Voilà. Parce que ça c'est du petite phase de... Bon, ça fait penser à Resident Evil, hein, mais... C'est une petite phase de recherche, un peu, mais bon, c'est facile quand même, on le tourne dans tous les sens, le machin, c'est bon, on le trouve. Là, on a gagné des matériaux pour évoluer, pour améliorer nos armes. Sachant que nos armes ont deux compétences, enfin, la mitrailleuse a deux compétences, par exemple, elle peut balancer des grenades et puis balancer des rafales aussi, normal. C'est une mitrailleuse en même temps, enfin, une mitraillette. Une mitrailleuse, c'est quand même un truc assez balèze. Voilà. Un feu de camp. C'est souvent la même chose, vous voyez. Bon, là, j'ai pas montré une phase assez incroyable. Le problème, c'est que la phase où il y avait
les flammes et tout ça, là, tous les trucs qui s'enflammaient, bah, je pense que je vais pas sauvegarder à ce moment-là. Je suis désolé, c'est pas grave. Là, c'est une énigme. Ça, c'est assez intéressant ici. Un truc que j'avais bien aimé là, comme énigme. Et on va faire cette énigme. Il faudrait déjà que j'ouvre la porte. Ça sera peut-être un bon début. Mais comment ouvrir cette porte? Ah oui, voilà. C'est bizarre, elle voulait pas au début. Bref, vous voyez. Faut surtout pas tomber, sinon on se fait électrocuter et on crève. Du premier coup, je crois, ouais. Puisque je dis électrocuter, oui. Voilà, c'est là-bas, faut se ramener. Et ça, quand on le fait descendre, bah ça, en fait, c'est ça qui donne le courant partout, là. Donc, faut trouver un moyen pour voir qu'il n'y ait plus de courant. Donc, ramener ceci par là. Déjà. Bon, j'ai super bien mal ramené. Voilà. Et avec le fusil à pompe, on peut défoncer le bois comme ça. Car il y a pas mal de passages au début où on ne peut pas y accéder. Car on n'a pas toutes les armes requises. Bon, c'est quand qu'il vient là? Je l'ai fait mille fois là. C'est bon là? D'accord, je crois qu'il est bloqué ce con. Ok. Ouais, je suis obligé de faire ça. Bon d'accord, alors il est complètement bugué. Alors tu viens? Non, tu viens pas. Je veux pas venir. Gré saleté là. Ah, d'accord, c'est ça qui gêne peut-être, j'en sais rien. Donc voilà, il vient. Attends. Bah, en vrai, c'est pas bugué comme ça. Là, le truc il est bloqué. Ah non, je suis con. C'est... Fallait d'abord cramer ça. Comme ça, c'est bon. Oh là là. Bah des fois, je comprends pas trop. Il y a des fois comme ça, on est un peu con. On va tirer un peu. Et on va... Ah, il faut encore le tirer jusqu'à... à droite. Allez, vas-y. LB pour faire l'instinct. Avec ça, on peut voir où faut aller. Ça nous donne, ça nous aide, en gros. Et on peut aussi bah, voir quel cadavre on n'a pas encore fouillé. Car les cadavres sont en jaune. Hein, c'est pour ceux qu'on n'a pas encore fouillé. Si jamais on a tué au moins 100 ennemis et qu'il y a 100 cadavres, voilà, pour s'y retrouver. Donc tous les fouiller. Vite. Et on va faire venir ça par là-bas. Vous allez voir, c'est assez marrant comme énigme. Enfin, c'est pas mal. Enfin, bon, souvent des petites énigmes comme ça, bon, pas du tout compliqué, ça c'est sûr. Mais bon, qui sont quand même bien, bien sympa à faire. Allez, vite. Ah, saleté. Ah, la physique, hein. C'est ma pire ennemie. Voilà, et là j'ai réussi, et donc le truc il reste là-dessus, et donc il peut pas aller dans la flotte. Et donc la flotte n'est pas électrocutée. Enfin, il n'y a pas d'électricité dans la flotte. Donc voilà. J'ai réussi, donc maintenant il faut se manier et aller là-bas. Bon, l'eau est super bien modélisée, hein, comme vous pouvez le voir. C'est assez incroyable ce qu'ils ont fait. Bon, dans les jeux actuels, de toute façon, l'eau est toujours bien modélisée.
mis à part sur une console lointaine, sur la Wii, hein. Ah bon. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Aïe, c'était un passage secret juste en fait là. Donc on a souvent des énigmes comme ça. Hein. C'est là c'était une quête annexe avec la musique principale du jeu, mais bon, les musiques franchement ne sont pas transcendantes. Hein. Même c'est que des bruits de comment, c'est que des bruits quoi, d'ambiance. Donc franchement, niveau musical, niveau bande son, c'est pas son point fort à ce jeu-là. C'est surtout niveau mise en scène et c'est toujours très rythmé. Et aussi au niveau des graphismes, hein, un très beau jeu quand même. Alors que là, je tourne pas à fond. Je vais vous montrer aussi les détails des cheveux de Lara quand on met. Vous allez voir. C'est pas grave, on va sortir dehors, on va mieux voir. D'abord, je vais cramer ça. Car ça, c'est pour avoir. Vous allez voir. Plus de matériaux, incroyable. J'en ai 1030, je peux faire pas mal de choses. Hein. Allez, je me grouille. Y'a pas un endroit parfait? Non, bon. Vu que ces endroits sont toujours sombres, on s'en fout. Alors, je vais vous montrer la magnifique chevelure de Lara Croft. Option de jeu, non, c'est graphisme. Allez, vous voyez, 1280 × 720, ce n'est pas le maximum. Anti-aliasing, hein. Anti-crénelage, ils appellent ça. J'ai mis désactivé, bien sûr, pour le besoin de la capture. Mais c'est où cette connerie là de. Ouais, qualité des cheveux. J'étais juste à côté en fait. Appliqué, vous allez voir, bon, le framerate est souffreteux par contre là, parce qu'en même temps, faut avoir un PC de psychopathe pour faire tourner ça, mais regardez-moi, cette chevelure, on sent vraiment les 15 FPS là, cette chevelure si détaillée, on dirait une pub là, franchement, pour un shampoing, voilà, c'est un truc de fou, je voulais juste vous montrer ça, hein. c'est un peu du freestyle, mais c'est pas grave. On va en mettre en normal. Et c'est bon. Alors maintenant, on va remonter. Ah, et aussi, j'ai eu un nouvel arc. Car je venais juste de le récupérer. C'est l'un de mes collègues qui m'a passé un arc. Une grosse brute, hein, je sais plus comment il s'appelle. Donc voilà, sur ce, je mettrai les notes dans la description et je vous dis à la rigueur pour de nouvelles aventures. Je vous mets une belle vue au moins pour la fin de cette vidéo. Bon, il y a le grillage devant, mais c'est pas grave. Il y a une belle montagne, sachant qu'il y a aussi plusieurs environnements. Il y a la forêt, le niveau enneigé, les bidonvilles, puis je crois que c'est tout après. Hein. Il est souvent dans des grottes aussi. Donc voilà, sur ce, je vous dis... à la voyure pour de nouvelles aventures avec Oliver Plasma.